Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 18 de l'épopée d'un enchanteur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Alors, tous les items que j'ai dans mon inventaire, faites pas attention, c'est du cheaté du mode créatif, c'est parce que je viens de faire quelque chose. On y reviendra tout à l'heure. Je vais me débarrasser de tout ça après. Pas tout de suite. Alors, je voulais juste faire un petit tour rapide sur ce qui s'est passé hors caméra. Donc, j'ai fait énormément d'enchantements avec donc la table d'enchantement niveau 30. Donc, j'ai fait des allers-retours entre l'Under Farm et la table d'enchantement. Donc, on a pas mal d'enchantements. On a des chutes amorties, des reculs, des protections contre des protections contre les projectiles. Ici, j'ai élargi les coffres. Donc, j'ai fait une grosse réserve de bouteilles d'enchantement et de livres, sachant qu'il nous reste encore une bibliothèque dans le dernier Stronghold. Niveau ressources, tout est trié, mais rien n'a vraiment changé. Au niveau du trieur, on a masse de fer. Non, ça c'est l'or, ça. On a masse de fer, donc j'ai même dû en compacter dans des blocs de fer pour que ça, parce que sinon le coffre est débordé. Donc niveau ressources, on est bien. Donc qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va parler de la table de la salle de potions, déjà, premièrement. Tiens, les poulpes ont despawné. Oh, c'est dommage. Parce que la salle de potions que Delta m'a fait me convient vraiment pas, et donc j'ai décidé de prendre les choses en main. Donc pour le moment, j'ai fait un prototype en créatif dans le monde de TB Killer. Et puis donc je vais vous expliquer un petit peu ça et je vais bien voir dans mon monde où est-ce que je peux caser ça. Et donc étant donné que je suis dans le monde de TB Killer, je suis en compagnie de TB Killer. TB Killer, tu dis bonjour à YouTube? Bonjour à tous, bonjour à tous les joueurs de Minecraft et à ceux qui suivent MDJ de Normandie sur YouTube et Dailymotion. Ouais bien. Attends, je me remets en game mode, hop, voilà. Donc, si vous n'avez... Donc, pour cette machine à potions, donc, je me suis... j'ai utilisé mon processeur en redstone. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le processeur en redstone qui se trouve sur ma chaîne YouTube. La qualité n'est peut-être pas optimale sur cette vidéo-là, mais à l'époque, voilà, j'avais des problèmes avec YouTube. Problèmes qui ont été réglés depuis. Et donc comment ça fonctionne? Eh ben on a un premier processeur en redstone, un processeur 3 bits, donc qui va donc ce qui nous permet d'avoir 8 instructions. 8 instructions qui correspondent à chacun des 8 ingrédients possibles pour créer des potions. Donc les 3 premiers bits en fait vont servir à choisir la potion. Donc en rentrant un code, on choisira la potion. Donc je n'ai pas encore défini quel code correspondrait à quoi, mais en gros ce sera ça. Donc ça ce sera pour sélectionner l'ingrédient secondaire, parce que le premier ce sera toujours un netherwart. Ensuite, les 2 bits d'après, donc qui partent carrément là-bas et qui vont jusqu'au processeur 2 bits qu'il y a ici, servent tout simplement à choisir. Alors si on met les deux à 0, on pourra en fait prolonger la durée de la potion avec de la redstone. Donc il y aura dans ce dropper-là de la redstone. Si on met tout à 1, donc si on met les 2 bits à 1, on aura de la glowstone, donc qui sera dans ce dropper, et qui augmentera l'efficacité de la potion. Et à la fin, le dernier levier servira simplement à définir si on veut une potion splash ou non, donc ça intégrera de la poudre de creeper à la formule. Les ingrédients sont balancés par des droppers dans une file d'entonnoir, donc la poudre de creeper sera la dernière à être lancée, donc évidemment ce sera la dernière à arriver. Tout ça tombe donc dans cet entonnoir et mis en attente en attendant de passer dans le brimstone. Tout simplement Excusez-moi. Tout
simplement après, ben, on... ça c'est une boucle en fait qui allonge la durée parce que quand la potion est terminée d'être créée, on doit attendre un certain délai pour être sûr que tous les ingrédients soient bien arrivés. Et lorsque la boucle est terminée, les potions tombent dans ce coffre et on récupère les potions ici. Voilà un peu pour le principe. Donc, avec les trois premiers leviers, on sélectionne la potion. Avec les deux leviers qui suivent, donc celui-là et celui-là, on choisit si on veut plus de durée ou plus d'efficacité. Et ce levier-là sert à choisir si on veut une potion splash ou non. On appuie sur le bouton qui, si on voit mal, mais ici il y a un bouton, et la potion se lance. Voilà le prototype de salle de potion que je compte faire. Donc c'est assez volumineux. Mais je n'ai pas essayé, mais je pense que ça marche. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Et puis, donc après quelques tests, eh ben, je mettrai certainement cette machine-là dans mon monde afin de pouvoir créer des potions de façon pratiquement automatique. Voilà. Après, je pourrais intégrer d'autres systèmes plus tard pour faire des cycles de potions, mais c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, en gros, le modèle de salle de potions que je compte créer. Voilà, donc nous faisons une petite coupure. TB, qu'est-ce que tu penses de ce système? C'est assez complexe, c'est aussi très complet pour tout ce qui est potion. Franchement, chapeau, chapeau. Merci. Ben voilà, Après, donc. ce sera pour le retenir les codes que tu auras attribués selon les potions. Oui, ben comment je me. Moi, sur mon Windows, comment je mettrais un petit tableur, hein, comme j'ai fait pour le TARDIS. Hein, pour le TARDIS, j'ai un fichier avec un tableur, avec tous les codes et ce à quoi ça correspond. Je ferai la même chose. Et puis au pire, je recopierai tout ça dans un livre également pour ceux qui aimeraient utiliser la potion. Je vais mettre à côté un coffre avec un livre qui contient tous les codes et tous les. Et donc pour faire telle ou telle potion. Alors, juste un truc, on en a parlé avec TB. Comment? Il y a un truc que je n'ai pas pris en compte dans la machine, mais en fait, en gros, ce serait bah, un bit de processeur à rajouter. C'est la notion de corruption, parce qu'une potion finie, on peut la corrompre. Par exemple, si on corrompt une potion de vision nocturne, on obtient une potion d'invisibilité. Ça, la machine ne l'a pas pris en compte, mais ce serait très facile à faire. Il suffit juste de faire passer un câble de plus là en plein milieu, et puis c'est réalisable. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette machine vous a plu. Malheureusement, comment je vais devoir arrêter de tourner parce que le. Alors, au moment où je tourne actuellement, on est juste avant la rentrée scolaire, et je sais que étant donné que je commence des études assez poussées, ça m'étonnerait que j'aie le temps de continuer cette série. Donc la série va faire une énorme pause. Et pour bien marquer cette pause, on comptait lancer un événement avec TB Killer. Ce serait à ce qu'on se fasse l'Under Dragon. Donc on attend les autres joueurs qui devraient arriver d'ici. Ils nous ont dit une demi-heure, donc dans une demi-heure on reprend le record pour ça. Et donc on a remis en place les healers de l'End. Donc je vais vous montrer ça dans une petite vidéo qu'on a tournée juste avant. Donc je vais vous mettre une petite séquence vidéo sur comment on recrée les healers de l'End. Et puis ben nous nous retrouverons pour se farcir l'Ender Dragon en équipe. Voilà, le temps juste que j'aille retrouver mon stuff, récupérer mon stuff, récupérer une épée descente, mon arc, quelques flèches, et puis faire les enchantements nécessaires. On se le fait avec des pommes. Et puis d'accord. Référence au Donjon d'Elbeuf, c'est ça? N'est-ce pas? Ouais. Ok, bah écoutez, bah, sur ce, bah, je vous dis à tout à l'heure. Je vous mets la petite séquence sur comment recréer un healer de l'End, et puis bah, à tout à l'heure.
Petite séquence donc que je tourne juste parce que je suis en train de réactiver tous les healers de l'End en vue de l'événement de la résurrection de l'Ender Dragon et donc je voulais vous donner une astuce. Donc il faut être administrateur du serveur pour faire ça, hein. Donc comment on crée un healer? Il vous faut obligatoirement World Edit pour pouvoir le faire. Sinon, ça va laguer. Donc en fait, on sélectionne le bloc avec World Edit, donc le bloc de Bedrock. On le détruit. Et on a une petite commande qui s'appelle Spawn Mob Under Crystal. Et hop, l'Under Crystal est créé. Le seul problème, c'est que en l'état, l'Under Crystal bug parce qu'il génère de la lumière et que si vous mettez tous les Under Crystal comme ça, d'ailleurs vous voyez, j'ai déjà une chute de FPS rien qu'avec un seul, ça va bugger. Donc ce qu'il faut faire après, c'est un petit slash 7-7. Donc en fait, le bloc que vous avez sélectionné, le remplacer comment, par de la bedrock. Et là, hop, ça marche nickel. Et puis là, ça lag plus. Voilà comment on recrée un spawn, un cristal de l'End. Et donc là, en fait, Mojang, en fait, le fait d'avoir mis du feu dans le truc qui génère de la lumière, et ça rectifie le bug de lumière. Donc, en termes de développement, moi je dis que c'est de la bricole. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, donc voilà. Donc je pense que tous les healers ont été remis en place. Je ressusciterai l'Under Dragon. Je ferai simplement un slash spawn mob Under Dragon quand on commencera l'événement. Et puis voilà, donc sur ce, j'espère que cette séquence vous a plu. Parce qu'en fait, je la tourne un petit peu en dehors de la vidéo en elle-même, cette séquence, hein. Donc c'est pour ça que je suis un peu déstabilisé. Voilà. À plus tard. Donc on est dans... Sunscreen. Attends, j'enregistre là. On est dans le monde de TV Killer et on a mis une... Comment le... Un cristal de l'End dans une balise. Donc, ça rend plutôt bien. Par contre, ça fait laguer un petit peu, hein. Faut mettre davantage de lumière. On va mettre des Ouais, c'est torches et parce que tout. là la nuit tombe, donc évidemment, je suis sûr que si on met un petit flash time day, on est bon. Ouais, moi je tourne toujours qu'à 15 FPS. Ça fait vraiment laguer ces trucs-là s'il n'y a pas de feu en dessous. Hein. Bon voilà, Non, moi franchement j'aime bien, je vais peut-être le mettre dans mon monde quand même si on trouve une solution, un fixe pour pas que ça lague, mais là, moi je sais pas, je lag un peu, enfin c'est encore fluide, mais je lag un peu. Pas toi? Un tout petit peu. Ok. Bon, je vais voir ça, moi je vais peut-être faire ça dans mon On va monde. rajouter du feu au-dessus de la balise, c'est tout. Pas sûr qu'on puisse. Bravo, champion! Bon, c'est pas grave, remarque qu'il y a toujours moins de couches à retirer que quand t'as fait péter. Ouais, parce qu'on a déjà on a fait péter sans, enfin j'ai fait péter sans le faire exprès la valise le premier coup. Bon, ok, donc et C'était, comment ben dire, voilà voilà une inconsciemment. petite idée, c'est en serveur à refaire en serveur. Donc voilà quoi. Attends, est-ce que je peux faire ça? Attends. Non, normalement ça devrait pas marcher. Non, laisse tomber. Ok, bon allez, je coupe le record d'ici. Ouais, mais t'as pas invoqué l'Ender Dragon encore? Bah non, j'ai rien touché. Ok, d'accord. Bon. Je suis là. Donc attends, j'ai lancé l'enregistrement. Ok. On va se faire l'Ender Dragon que à deux, étant donné qu'il n'y a que moi et TB Killer sur le serveur. Les autres ont apparemment des soucis. Chacun ses problèmes. Donc, personne ne peut être là pour l'event. Donc, quand tu veux pour invoquer l'Ender Dragon. Ok, là pour l'instant j'y suis pas encore au truc. T'as retourné à l'endportail, résultat. Ouais, je me mets en fly histoire de passer, ensuite je désactive quoi. Ok, d'accord. Bon, je t'attends. Oh. Attends, je vérifie un autre Quand truc. tu veux... il marche ton système ou pas?
Non, en fait, c'est pour ça que je t'ai dit, le command block, il le manque. Il manque le command Ah, il block. manque le command block? Ouais, bon, bah ça fait rien, on l'invoque à l'arrache, ça fait rien. Plus tard, donc attends, je veux que j'explique au viewer. Donc, ça, c'est un petit temple que TB Killer est en train de faire pour qu'on puisse réinvoquer l'Ender Dragon un petit peu quand on voudra sur le serveur. Donc voilà. Donc j'avais fait un système de base pour que l'œuf en fait tombe. Il était placé sur des blocs de sable et il y avait un piston qui actionnait une trappe. Donc l'œuf d'Ender Dragon était censé tomber et un command block l'invoquer directement, histoire qu'on puisse croire qu'il est éclos. Mais bon, le système n'est pas terminé. Ouais, je te fais un petit. Oula, Donc voilà, dommage, comme j'ai appuyé ça. dessus, je crois. Ouais. Mais attends, j'ai du mal à le situer. Ouais, mais ça fait rien. Allez, vas-y, tape Chash Spawn Under Dragon, qu'on se le fasse là, parce que on verra ça plus Ok. tard. Allez, j'ai envie de fight là. On va commencer déjà, c'est par se faire les... Voilà. Ok, j'ai eu Tu me gardes deux... le croupion? Il me fonce dessus, le salaud. On fonce dessus! Il est où? Ouais, mais pour le moment ça sert à rien d'y tirer dessus vu que il n'y a pas de... Ouais. Putain, il va me refoncer dessus en plus ce salaud. Taïo! Oula! En plus On j'ai peut des... mettre des blocs pour qu'il monte, non? Ouais, par contre j'ai aucun bloc moi, je suis mal organisé moi, j'aurais dû prendre de la flotte, j'aurais dû prendre des trucs comme ça. Moi aussi. J'ai 64 tartes à la citrouille, mais je pense pas que ça puisse nous aider. Vas-y, non, vas-y. Essaye de faire les healers, moi je. Dès qu'ils nous foncent dessus. Voilà, j'y mets un coup d'épée et puis T'es bon à l'arc toi ou pas? Ça peut aller. Ouais, je vois ça. Et je te défends pendant que tu détruis les healers. Par contre, tu me dis quand tu bouges. Ok, là je bouge, je vais vers lui. Je le vois plus, je le vois plus moi. Il est parti par là, dans le fond, suis-moi. Tu me vois? Ok, c'est Ah, bon, là je... il revient sur moi, enfin, sur toi. Putain, la vache, le salaud, toi. Il va finir par me propulser. Eh, c'est intense, hein. Oh, c'est dommage qu'on soit que deux. Il revient. Il revient à la charge. Oula. Tranchant 5, recul 2 hein, sur mon épée pour les viewers qui se poseraient la question. Ah, quel enfoiré il m'a. Vache, il t'a expulsé loin en plus toi. T'as quoi en armure? J'ai une armure pratiquement full. Au niveau enchantement, t'as quoi? Tous les enchantements disponibles, le max. Ah d'accord, oui, en gros t'as pris l'armure d'admin quoi. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de problème, donc. Wow, est-ce que moi sur toutes mes armures j'ai protection 4 sur les bottes j'ai chute amortie donc Feather Falling attends parce que je te protège plus du tout là Et puis sur le casque j'ai juste aisance aquatique en plus quoi. Ok, donc là apparemment il n'y a plus trop de heal. Y en a encore Apparemment il y va en a encore rechercher. Bah, là-bas. Fais il y gaffe en a parce que encore là ailleurs dans les on eaux. se rapproche vraiment du bout de l'île donc J'ai aggro quelques Endermen J'ai pour le fun. descendu un healer à je sais pas combien de mètres. T'es où? Je te vois plus. Attends parce que. Je le fais aggro par les Enderman. T'es où?
J'ai vu une flèche pa passer, mais je t'ai pas vu. Ah oui, d'accord, ok. Il est où là dans le dragon? Il est là. Je crois que j'ai fail. De quoi? Attends, je vérifie. Ah non, me dis pas que t'as déco. Tu m'entends? Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Ah, le sagouin. Ouais, ça se voit qu'il y a nettement moins de healers, hein. Il récupère sa vie moins... Ouais, par contre, par là, doit encore y avoir un healer. Dos à toi, doit encore y avoir un healer parce qu'il a récupéré perdu la... J'ai perdu le truc, ma connexion internet, c'est en ce moment. Oh, merde. Bon. Donc, je me retrouve seul. Non, bah, je suis de retour, donc... T'es pas en god, hein. Non, non, j'ai ma super armure, là, j'ai déjà un cœur, un demi-cœur de moins. Ouais, là, on est d'accord, ouais, je t'ai mis un petit taquet, j'ai bien vu que t'avais perdu la vie. Avec le lag, mais j'ai vu que t'avais pris un petit taquet. Si j'étais en god, je crois pas que l'Ender Dragon m'aurait propulsé tout à l'heure. Propulsé, si. Tu peux te propulser, mais par contre, il t'aurait pas mis de dégâts, quoi. Fais gaffe, il fonce sur toi, je suis trop loin de toi. Joli réflexe. À mon avis, voilà, tu vois par où il se dirige, là, faut qu'on ait par là, il doit encore y avoir des healers par là. Oh le salaud. Comment il t'a buff le bordel? Comment il m'a aggro tu veux dire, pas buff? Ouais. Attends, j'aurais dû prendre des... Attends, j'ai même pas de bouffe sur moi, je suis complètement taré. Moi j'en ai pris, t'en veux tiens. Ouais vas-y, parce que là je régène pas moi. Mais dégage toi. Tiens. Ouais ok, tarte à la citrouille. Putain, c'est la grande mode, ça, la tarte à la citrouille. Bah, disons que l'identifiant est 400, donc... Ah, d'accord, tu te les as givés. Bah, en fait, ça fait déjà un moment que je les ai. Eh, c'est ça, c'est chiant quand on est admin, c'est qu'on se give tout, quoi. Ouais, mais comme tu vois, j'ai pas perdu mon talent à l'arc. Moi j'avoue, hein, pour la série, j'ai extrêmement mal à me retenir de cheater, hein. Non mais je devrais arrêter de sauter quand je suis à proximité de l'un d'un dragon, moi je suis taré. Là-bas il y a des healers. Ouais, attirons-le là-bas, on va le foutre sur les healers. Oh joli ça. Deux healers d'un coup. Ils étaient trop à proximité donc ils ont pété De toute façon on les replacera à la fin de la... Ouais c'est bon. Je sais pas lequel d'entre nous l'a eu parce qu'on a tiré à peu près en même temps mais... Je crois que c'est moi. Il est où? Bon, je crois qu'il n'y a plus de healer là de toute façon. Je pense pas qu'il y en ait dans le coin. Il va peut-être ici dans... Il y en a peut-être encore quelques-uns actifs. Moins 43, moins 27. De quoi? Les coordonnées du leur. J'ai moins... Ouais, en gros, moins 50, moins 60... Moins 50, moins 70. Ok. C'est bon, je l'ai eu. Il est où, je le vois plus. Il est là. Et en plus avec le nouveau serveur, il a plus du tout quoi l'Ender Dragon. Enfin moi personnellement il a pas, mais moi je suis encore sur une connexion locale donc toi tu le vois laguer toi l'Ender Dragon ou pas? Non j'ai pas de problème. Ah c'est nickel. Il est où? D'accord. Mojang a dû réaméliorer avec la mise à jour. Non, c'est surtout notre serveur avec les ressources serveurs qui sont beaucoup plus élevées. On a moins de soucis. Allez, fonce sur moi. Ouais, donc il n'y a plus un seul healer dans l'end là. Apparemment. Putain, t'y fais mal toi. Ouais, il a disparu de. Il a disparu de mon champ de vision. Ah, c'est bon, et fonce sur moi là. Là, j'étais là. Bing. Oh la vache. Oh la vie qu'il a perdu. Il a aussi balancé un Enderman au passage, je sais pas si t'as vu.
Ouais, c'est les Enderman, il est... Ouh. Il prend cher. Ah ouais, carrément. Alors, j'ai enlevé le F3 là parce que... Par contre, il glisse toujours au travers les tours, ça n'a pas. Pour information aux viewers, mon arc c'est un Affinity, hein, donc j'ai mis le... J'ai mis... Comment j'avais récupéré encore un enchantement Affinity, je l'ai mis dessus. Donc Mais au Affinity fait, ouais, et Power 5. mon arc, Ouais. il est pas overcheaté, lui. Ah, c'est pas un arc d'admin? Non, c'est un arc que j'avais quand j'ai avant d'être admin, en fait, je l'avais dans mes coffres. Ok. Tu... C'est quoi ça? C'est quoi ces trucs? Bah, il a quand même tous les enchantements d'attaque possibles, en fait. Il Ouais, est pas donc t'as quoi? overcheaté à Donc fond, mais. t'as Power 5, Affinity et puis Flamme quoi. Abondance, je sais pas si je l'ai. Je crois pas. Ah, oh. J'étais à deux doigts de lui exploser les testicules. C'est ça qui fait qu'il vole pas vite. Ah, oh, et oh, comment j'ai pu le rater là? C'est pour ça qu'on est frères tous les deux. Non, on n'est pas frère. Je tiens le au viewer, on est pas réellement frère. Je te parle de l'Ender Dragon une mois. Il Ah! peut pas se déplacer de vite à cause de ses grosses testicules. Oh! Ouais, c'est comme bah, c'est ce qu'on dit hein, c'est comme le sexe hein. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font, c'est pour ça que moi je me tais. Attends, parce que j'ai un Enderman qui a décidé de... Je sais pas, il a un projet hostile pour moi là. En plus, il est plus grand que toi, donc Il est où? Il est où? Il est attention. là. Ah! Pas de bol, il a une petite latence et c'est ça qui l'a sauvé. Ouais, il faudrait que je mette... En plus, je dois avoir des livres d'enchantement de flemme. Ouais, merci pour la flèche dans le cul, c'est sympa. Oh là 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 là. Allez, allez. Rien à foutre, il me le laisse. C'est toi qui l'as eu! Ah, j'y crois pas! Régale-toi de l'XP qui tombe. Ouais, tu me la laisses et moi j'ai... Toi t'en as pas besoin, moi j'en ai besoin pour la série. Non, non, Désolé. salaud! Moi je m'en fous, tira un mob spawner et tu me la... Tu me la rendras. Je te rends les 24 000 niveaux que j'ai. Ah ouais, c'est vrai, t'as 24... Ah oui, putain, t'as 24 000 niveaux toi! Non, en fait, je les ai perdus tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok, je vais aller... Désolé pour Oups, la toux. désolé, je t'ai pris pour un Enderman. J'ai failli décrocher une flèche. Oh putain. Oh putain de... Viens là! Viens là! Bon, de toute façon, j'allais me chercher... Ah ouais, mais non, flemme, c'est de la triche. What? Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais tombé dans le vide. Mince, Oh le salaud. Taïo. On a foutu sur la gueule à l'Ender Dragon, mais vu que là on sait plus sur qui taper, ben.
On se tape dessus. Allez, On se défonce la gueule. Petit duel vite fait. Je crois qu'en plus ici on perd nos XP. Oh, putain, attends, j'ai claqué moi, j'ai crevé. Putain, mais flamme, c'est trop abusé, sérieux. C'est l'Under Dragon qui... Un putain d'Enderman qui... Oh putain, mais flamme, franchement, c'est trop abusé. Oh putain, là c'était sûr là. J'étais dans un creux, c'était quasiment impossible. Ouais non, ça va durer des plombes. Ce combat va durer des plombes, sérieux. Plus on régène. Ça, par contre, je galère, c'est à courir. Putain, j'arrive pas à l'approcher. Oh putain, ça rase. Oh, putain, j'adore ta nouvelle déco, porc épique. Il va me faire tomber du monde en plus. Ouais, laisse tomber, je suis sûr qu'en plus toi t'es full vie, moi il me reste plus qu'un cœur. Arrête, c'est bon, t'as gagné, il me reste plus qu'un cœur. Il me reste plus qu'un... Désolé. Bon. Ah non, j'ai toujours aimé niveaux, bon Mais t'as plus ton stuff, je reste à côté jusqu'à ton ouais, coup. Ouais, bah je tape un flashback et puis c'est bon. J'adore ta nouvelle déco. Fais ça. Tiens, t'aimes bien mon nouveau skin? Je le vois pas. Ah, t'as pas téléchargé. Oh ouais, génial. Et malgré que je sois mort, ça, les flèches elles sont restées, c'est bizarre. J'adore, n'empêche, ta nouvelle déco, c'est adorable. C'est... Ouais, t'as 60 niveaux, ça va me permettre de faire encore 2 livres. Bon bah écoute, attends juste une seconde. On continue un petit peu le record. Parce que et tout ça, ça a été enregistré. Hein. Même le combat et tout qui a duré des plombes. Je sais. Attends, juste je récupère de quoi récupérer l'œuf d'Under Dragon. Il me faut juste ça. De la redstone, j'en ai. Il va me falloir un levier. De la redstone, ce sera peut-être pas nécessaire. Et puis un. Mais il va surtout me falloir des blocs. Hop. C'était pas la peine de téléporter à moi, hein, je revenais. Hein. Oh bah d'accord. Ah, c'était super amusant ce combat. Ça aurait été encore plus amusant si on s'était amusé à se friter la gueule en PVP. Ouais, mais attends, toi t'as le... Comment, t'as le stuff admin, toi. C'est le stuff overcheaté qu'on s'était créé il y a de sa belle lurette, on est pratiquement invincible avec ça. Pour la protection, ouais, mais... Le portail, il ramène dans le monde normal, c'est bien ça? Ouais. Il ramène au spawn ou... Non, il ramène... oui, il ramène au spawn, ouais. Merde. Bravo! Allez, rends-moi ça! Tu l'as. Faut toujours que tu sois dans mes pattes. Bah attends, je vais décrocher. Oh putain, j'y crois pas, c'est pas vrai. Éloigne-toi, va pas le récupérer, encore une fois. Bah pourquoi pas, moi je pourrais peut-être le mettre du premier coup. Mais bon, je l'ai. Et bon, je l'ai, allez. Bon, tu... Un petit coup de World Edit pour... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Pour virer ça? Ouais, et t'as vu, t'as un... Y a ton œuf d'Under Dragon, là, qui a spawné à côté, là. Ouais, je sais. Faudrait que tu le remettes à sa place.
Puis bah écoute, bah bonne chance pour ton système pour le ressusciter un petit peu à volonté. On va remettre les. Je vais m'occuper de remettre les healers. La commande c'est slash spawn mob under crystal, hein, c'est ça? Under crystal, mais crystal avec un Y vu que c'est en anglais. Oui. Ok, d'accord. Bon, ben, écoutez, ben, chers viewers, je pense que cet épisode aura duré assez longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier début de série. Malheureusement, le prochain épisode arrivera, je pense, dans fort longtemps, parce que là, je vais pas pouvoir enregistrer avant un bon bout de temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Suivez l'actualité du serveur sur le site mindsurf-mdg.fr.nf ainsi que sur ma page Facebook. Ah là, lui il m'emmerdera plus longtemps. Sur ce, je vous dis à bientôt. Désolé, j'ai pas pu résister à la tentation. Enfoiré, t'as fait la commande slash kill. Allez, à bientôt.